Good morning, allez, Dan, et tu seras aujourd'hui les Nishmat Klosh, Lomo Ben Shalom, Lucien Batren, allez, Achaï, Bat Mazal Tov, Janine Rud, Bat Fortune, Mazal Fritna. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de deux Mishan, contre qui est la 5 minutes éternelle, nous étions Maseret, Gitin, Ferry Gimel, Mishan Gimel, Amériguet, Ve Ava de Menu, Metsa Ole Altar Kacher, Ve Imlav Pasoul, Metsa Oba Khafisa, O Beluskema, Im Makiro Kacher, Amériguet, Ve Hini Chosaken, O Chole, Notnola Bechazkat Shukayam, Bat Israël Nesole Kwen, Valach Baala le Medina Tayam, Ochelet Mitrouma Bechazkat Shukayam, deux sujets dans notre Mishnah. Premier sujet d'abord, c'est Amevi Get Ve Ava de Menu. Je rappelle d'abord une donnée de base qu'on a déjà appris longuement, maintenant on l'a vu plusieurs fois. Un Get, il doit être nominé, enfin écrit nominativement de cet homme pour cette femme parce qu'ils m'ont ordonné. Ça suffit pas d'avoir un. Imaginez que je m'appelle Harry, ma femme s'appelle Hana, et je trouve un Get. Comment Harry, il a dit à Hana qu'il veut la divorcer et qu'il veut le donner, mais c'est pas moi qui l'ai écrit, je peux pas prendre ce gars qui a divorcé ma femme avec. Il faut que j'ai moi-même ordonné un sofer qu'il écrive, pour que moi-même, le donne à ma femme, qu'il connaît aussi, enfin qu'on connaît le nom, bien nominativement. C'est-à-dire que si j'avais deux femmes qui s'appelaient toutes les deux Hana, eh ben il faut savoir à laquelle on divorce. Ça, on apprend ça depuis la Mishnah Aleph, Mishnah Bet, Bekatavla, Nishma. Il faut écrire un guet au nom de la femme, d'accord? Ça c'est une donnée de base, élémentaire. Problématique de notre Mishnah. On avait un chaliar qui est venu avec un get, il arrive, il tâte les poches, il ne le trouve plus. Et ensuite, altar kasher veimlav pasoul. Si ensuite, tout de suite, il ressort dehors du beddin, il ne cherche par terre, il le trouve, immédiatement, il est kasher veimlav pasoul. Et si ce n'est pas immédiatement, alors ça devient invalide. Et quelle est la problématique? La problématique est très simple. On craint que, bon, il a perdu son get, il est parti le retrouver. Tu le retrouves, qui a dit que c'est réellement le tien? Alors tu vas me dire, tu le reconnais. Alors là, ça touche à un point délicat. Comment tu fais pour reconnaître? C'est-à-dire, quand vous trouvez, je ne sais pas moi, mon gilet, imaginez que je le perds et que je le retrouve. Et je trouve le même gilet. J'étais à la synagogue, j'ai laissé mon gilet, je reviens 3 jours après, je me dis, oh, j'ai perdu mon gilet ici, je cherche, et je trouve le même gilet exactement, la même taille. Comment je fais pour le reconnaître? Alors, ça dépendra des simanim, vous êtes d'accord? Simanim, ça veut dire des signes, des signes que c'est le tien, chacun il a son... Moi par exemple, je sais que, par exemple, il a ici, dans la boutonnière, un bouton qui est un petit peu trop ouvert. Alors je vais le reconnaître, on a des simanim, des choses, ça c'est bien pour l'Ilchot Aveda, et ça touche aussi au Ilchot Gitin. Figurez-vous que des simanim, c'est même dans l'Ilchot Aveda, c'est pas 100% sûr. C'est peut-être que, c'est une très forte probabilité, c'est peut-être 70%, mais c'est pas 100%. Alors avec 70%, s'il te plaît, tu divorces pas une femme. Tu lui réécris un get, mais tu ne te permets pas de donner au Sénégal. Va savoir si ce n'est pas le bon. C'est la problématique, ça veut dire. Tu retrouves ce papier, et alors bon, alors là, ce papier-là, je reconnais exactement mon écriture. Mais imaginez que c'est, on a l'époque où les guettes, ils étaient écrits avec des écritures de saucer. C'est tous plus ou moins semblables. D'accord? Ils ont tous plus ou moins la même taille. On va dire, ouais, mais il a une petite tache. Ouais, bon, il a une tache, l'autre aussi, il a peut-être une tache. Alors après, il y a des simanim, on va différencier les siman mouvhak d'un siman lo mouvhak. Je fonctionne d'abord à l'envers, je vous dis d'abord la suite du Bartenora avant de revenir en arrière. D'abord, si un siman que c'est sûr, c'est le tien, parce qu'il n'y a pas lieu de se tromper, vous voyez ce papier-là qui a été plié comme ça ici, je ne crois pas qu'il y a deux papiers sur Terre qui ont été pliés comme ça ici, c'est un siman mouvhak. Ou bien si j'ai fait un trou, je me rappelle quand j'ai écrit le mot ici, là, shalom, j'ai fait ensuite un trait bizarre, et ce trait bizarre il est encore là, qui c'est qui écrit un trait bizarre après avoir écrit un nom? Ah, donc moi je le reconnais. Là c'est un siman mouvhak, un siman parfait. Là, on peut rendre le get, il n'y a aucune contradiction, c'est sûr que c'est le tien. Tu le vois, c'est le tien, il n'y a pas de doute. D'accord? Tout comme toutes sortes de choses. Maintenant, si c'est des choses que c'est juste une très forte supposition, alors là, la Mishnah vient nous dire attention. On craint que c'est, que peut-être, alors il y a lieu de craindre que le get, il ait été écrit par quelqu'un d'autre qui avait le même nom que toi, le même nom qu'elle, et qui vient, ouais. Alors du coup, là, la problématique se passe. Si tu le retrouves immédiatement, genre tu viens de le perdre, tu l'as perdu de vue pendant 2 minutes, et tu reviens, tu le retrouves, bon, ça va, là, on va tolérer, tu peux le reprendre, et tu donnes le get tout de suite. Sinon, c'est pas immédiat, tu as passé, tu as mis 5 heures pour le retrouver, puis non, tu le retrouves, après tu le regardes, tu dis, ouais, je le reconnais. Je me rappelle, il y avait une petite tache comme ça ici. Donc à 2 minutes, c'est peut-être pas le tien. Alors là, la Mishnah me dit qu'il est. Tu ne pourras plus le donner. La Gmal précise, c'est rapporté dans le Bernard, il nous dit attention, tu vas le donner à condition que tu l'as perdu dans un endroit où il y a plein de monde qui se trouve. Makom Shashayarot Metsuyot.
un endroit où il y a beaucoup de va-et-vient, beaucoup de personnes qui viennent. Et il y a même des gens de... Parce que, en fait, je vais vous expliquer un point essentiel. Je pense pas que dans mon petit patelin, là où j'habite, dans les 5 binyamins autour de moi, hein, qu'il y ait quelqu'un qui ait le même nom que moi, avec le nom de mon nom, ça veut dire mon nom, mais mon nom, Harry Meir, avec le nom de mon père, et la femme, le même nom d'elle, avec le nom de son père, et qui viennent de la même ville. Pire que ça, je vais même vous dire, il y a même une halakha que s'il y a deux personnes qui ont... Si réellement, il y a un autre couple qui a les mêmes noms que nous, je pourrais jamais écrire un guet avec mon nom. Il faudra que je précise. Écrire Harry Meir, hein, le grand, parce que l'autre, il est petit, ou le gros, parce que l'autre, il est tout maigre, ou le contraire. Moi, je suis très maigre, alors lui, il est très gros. Il faudra préciser. On ne peut pas avoir deux personnes qui ont les mêmes noms dans la même ville et donner un guet. Là, ça nous touche à d'autres histoires, on ne va pas ouvrir le sujet, mais en tout cas, pour pouvoir écrire un guet, il faut nécessairement qu'on sache distinguer à partir du guet et savoir qui sont les personnes. Donc finalement, si on est dans le même patelin et qu'il n'y a pas de va-et-vient avec les gens de l'extérieur, on ne craint pas qu'il y ait des gens avec d'autres noms que lui et moi, d'accord? À la différence du cas où on est dans des endroits où il y a beaucoup de va-et-vient, alors moi j'écris mon nom et son nom, allez savoir si finalement ce n'était pas le jour du grand marché, et les gens sont venus même depuis la ville de Tel Aviv, ils sont venus faire des courses aujourd'hui, et puis finalement, il y avait quelqu'un qui avait un guet avec le même nom que moi, et que le même nom que moi, sa femme le même nom que ma femme. Et dans ce cas-là, on a ici un guet que, même si très probablement c'est quasiment sûr que c'est le mien, on ne peut plus certifier que c'est le mien, avec une incertitude, tu ne divorces pas une femme. D'accord? C'est clair? C'est ce que la Mishnah vient de dire. Mais ça ou l'altar, tu le retrouves immédiatement. Dans son parc, c'est comme nous dit le Bartanora, mais Dafka Shavat Bemakom Shayarot Metsuyot. Dans un endroit, il y a des Shayarot. Les Shayarot, c'est les caravanes. Il y a beaucoup de caravanes qui se trouvent, il y a beaucoup de va-et-vient. Par contre, si jamais tu le retrouves dans un endroit où il n'y a personne, il n'y a pas un chat qui marche, dans mon quartier, il n'y a pas des gens d'étrangers qui viennent, donc tu trouves un guet. Tu sais très bien que si tu trouves Yaakov qui a divorcé Rina, ah oui, c'est le voisin qui habite en face là-bas, d'accord? On le connaît, quoi, on se connaît tous. On sait bien qu'il n'y a pas. Donc là, on pourra rendre. Mais si on est dans un endroit où il y a beaucoup de va-et-vient, alors là, on pourra prendre, sauf si un siman mouvak, d'accord? Deuxième sujet, de oui et non. Ça va toi. Metsao bechafisa ou bedlus kema. Je l'ai cherché, et finalement je le retrouve où? Bechafisa, dans le groupe de shtar, ou bedlus kema. C'est toutes sortes de sacs, de gourdes, ou de. Où ce que là-bas on avait l'habitude de mettre nos affaires, d'accord? Ça peut être un portefeuille à notre époque. Ils avaient là-bas une sacoche, voilà, c'est le bon mot, la sacoche. Donc il a retrouvé dans un groupe de shtarot, ou dans une sacoche, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas qu'il a juste perdu le guet, il a perdu toute sa sacoche, après on retrouve sa sacoche, il a reconnu sa sacoche, donc il pourra récupérer. Ou encore même, im makiro, ou encore oshe makiro la guet, c'est-à-dire qu'il le reconnaît, qu'il n'y a pas de doute, il a une vieux taïn, il le reconnaît, c'est parfait. Il y a des fois, ce papier-là, je vous garantis qu'il n'y a personne, je le regarde moi, c'est moi qui l'écris, c'est mon écriture dans les détails, je regarde, je suis sûr que c'est moi qui l'écris. Ouais, si jamais il a une reconnaissance aussi forte, alors là c'est bon, il pourra aussi reprendre le guet et le donner, d'accord? Fin du premier sujet. Deuxième sujet maintenant. Amevi guet veinicho zaken, on parle d'une personne qui est venue d'Amérique, d'où vous voulez. Veinicho zaken, et il a laissé le vieux monsieur, on parle en fait, c'était fréquent, à l'après-guerre, j'ai entendu des histoires, des cas de hiboum, en fait. Il y avait, à l'époque, il y avait avec la Russie fermée, il y avait un homme qui avait réussi à sortir de là-bas, il était marié avec une femme, il n'a pas eu d'enfant, il avait laissé un frère en Russie. Alors imaginez maintenant qu'on se retrouve dans une situation pareille, vous voyez la scène? Si jamais il meurt sans enfant, la femme ne peut plus rien faire, imaginez qu'elle a 45 ans. Elle est bloquée pour la vie parce qu'elle attend le frère de Russie, là, qui est resté enfermé chez les communistes, qu'un jour il va venir lui faire le hiboum, ou la khalitsa. Elle ne peut plus se remarier, la pauvre. Elle est bloquée complètement. Alors là, maintenant, du coup, c'est important de donner un guet avant de mourir. D'accord? C'est impératif de donner un guet avant de mourir. Alors, la Michelle me dit maintenant, et on avait imaginé, on a quelqu'un comme ça, qu'il était parti en Amérique, il a laissé sa femme sans enfant en Israël, et là-bas, il sent qu'il a peur qu'il va rester bloqué, qu'il ne va plus pouvoir revenir en Israël, et que sa femme va rester bloquée, et lui envoie un guet. Et pendant qu'il est là-bas vieux ou malade, il donne le guet à quelqu'un pour venir, et la personne prend le guet et l'amène en Israël. Question, il arrive 10 jours après, on ne sait pas, est-ce que le monsieur est encore vivant ou il est mort?
Question fondamentale. Parce que moi, si j'envoie un guet avec un chaliach à ma femme, et qu'entre-temps, la personne qui a envoyé le guet, il est mort, sa femme, elle ne pourra plus divorcer. Je peux divorcer ma femme que de mon vivant, pas après. Donc il faut nécessairement donner le guet avant de mourir. C'est la problématique. Est-ce que le chaliach, il arrive dur après? Mais peut-être qu'il est déjà mort. Réponse. Il pourra lui donner le guet. On va le supposer vivant. C'est la règle des chazakot. Cheskat chay. Il est cheskat chay. C'est que c'est une grande règle des chazakot que les choses restent. C'est pas de la probabilité. C'est plus que la supposition. Il y a un terme spécial, j'ai oublié pour le moment. Mais c'est que quand on veut analyser une situation ou une halakha, alors jusqu'à preuve du contraire, on va supposer que les choses n'ont pas changé d'état. Tu l'as laissé vivant, il est encore vivant, tu donnes le guet. Bien sûr, on n'a pas parlé qu'il va donner le guet 5 ans après, je ne sais pas s'il y a des limites dans l'alakha, ça je ne sais pas, mais dans la mesure où ça était impératif, immédiatement, il n'était pas mourant, il n'était pas agonisant, il était... Est-ce que j'ai pas rencontré un vieux monsieur depuis maintenant 3 semaines, est-ce qu'il est encore vivant? Je suppose que oui, il n'y a pas de raison que non. Pourquoi supposer qu'il est mort? D'accord, donc il a laissé vieux ou malade, donc pour le moment... on parle qu'il n'était pas gossesse, c'est précisé dans le Bartanoï, dans le Tosfot Yom Tov. S'il était gossesse, c'est qu'il est en train de gémir. Alors, Rov gossesse, c'est la mitale. Là, on ne pourra plus le donner, mais là, on parle qu'il était malade. Alors, il reste encore Bechaz Katraï. Idem aussi pour Bat Israël, Anisoa, la Kohen, Ve'alach, Baala, la Médina, Tayam. Il y avait une Israël, Bat Israël, qui était mariée avec un Kohen, et que le Kohen, il est parti, les Médina, Tayam. Il est parti à l'étranger. Maintenant, ça fait un an qu'elle est là, 2 ans qu'elle est là. On parle d'à l'époque, il n'y avait pas de communication, il n'y a pas d'interrogation bizarre sur la conduite du mari. C'est tout à fait normal, il est parti faire fortune à la rue et vers l'or. Et donc, du coup, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, il reviendra un jour. Elle est Bat Israël, mariée à un Cohen. Si son mari est encore vivant, elle a le droit de manger la tourma. Si son mari, il est mort, elle n'a plus le droit de manger de la tourma. Alors, c'est la problématique. Bat Israël, Anesua la Cohen, Ve'alach Baala la Medina Tayam. Elle est partie à l'étranger, malgré tout. Ochalad bitourma, bechaskat shukayam. Même principe, elle pourrait continuer à manger de la tourma dans la mesure où on va supposer qu'il est encore vivant, parce que c'est la règle des chazakot, des suppositions, jusqu'à ce que les choses changent. À toi de prouver qu'il y a eu un changement de situation, jusqu'à preuve du contraire, les choses restent dans leur état. Ok? Même principe encore sur Acholach chatato mimedinatayam. On a une personne qui vient de. Je sais pas, du Liban, de l'Égypte, avec un mouton. On me dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ce mouton que tu nous apportes de là-bas? Il me dit, parce qu'en fait, tu sais, il y avait là-bas, le Rav là-bas, là, il a dit que, en fait, il avait transgressé une fois un Shabbat, Beshogeg. Et il a envie de faire un korban khatat. Tzadik. Il apporte un korban khatat, et moi, je suis chaluar pour apporter le khatat. Question, peut-être que le monsieur, il est mort. Et s'il est mort, on ne peut plus apporter un korban à Khamita. En Khatat la Khamita, vous rappelez Khamesh Khatot Metod, je rappelle, Vetimna, Vlad Khatat, Vetmurat Khatat, Vechatat Shemetu Baalea. Le même, c'est Khatat Shemetu Baalea Khatat. Mais Shemetu Baalea, on ne peut pas apporter le Khatat. Peut-être qu'il est mort. Réponse non. Makrivin, Otto, Vechaskachur, Kayam. On pourra apporter malgré tout le korban en supposant qu'il est encore vivant, parce que c'est la règle des Khazakot. Jusqu'à preuve du contraire, les choses n'ont pas changé d'état. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Veselah.